Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment partager sa connexion Internet de son téléphone portable sur son ordinateur. Alors, c'est une question qui m'est revenue régulièrement durant ce confinement. Si jamais vous avez une panne d'Internet sur votre box à la maison, ça peut être un moyen de récupérer Internet sur vos ordinateurs. Pour cela, il va vous suffire d'aller dans les paramètres de votre téléphone. Alors, les paramètres peuvent être différents suivant la version Android que vous allez avoir sur vos téléphones. Après, les terminologies, nous arrivons à les retrouver parce que ce sont des synonymes à chaque fois dans les catégories. Donc, je vais cliquer sur les paramètres. Moi, sur ma version de mon téléphone, il faut que j'aille sur point d'accès Wi-Fi mobile. Donc là, vous voyez qu'il est désactivé. La toute première chose à faire, si vous n'avez jamais partagé la connexion de votre téléphone, il faut que vous configuriez le point d'accès, c'est-à-dire qu'il faut que vous repériez le nom qui va être attribué à ce réseau, ainsi que le mot de passe pour pouvoir se connecter au réseau qui va être généré. Donc moi, je vais cliquer sur « Configurer le point d'accès ». Le SSID, donc c'est le nom que j'ai attribué au réseau de mon téléphone, donc là je l'ai appelé téléphone NAT, et le mot de passe, alors il y a un mot de passe qui est attribué par défaut, il vous suffit de cliquer sur le petit œil et vous pouvez voir le mot de passe. Bien évidemment, au niveau de votre point d'accès, vous pouvez modifier le SSID, c'est-à-dire que vous pouvez attribuer le nom que vous souhaitez et le mot de passe que vous souhaitez. Alors, moi j'ai fait exprès de mettre AZERTY 123, surtout, ce n'est pas des mots de passe sécurisés. Là, je l'ai mis pour ne pas divulguer sur la vidéo mon mot de passe. Mais par contre, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose qui soit sécurisé, c'est-à-dire majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux et que vous rappeliez de ce mot de passe. Donc, je valide avec le petit V en haut à droite. Et maintenant, mon point d'accès Wi-Fi mobile, je vais pouvoir cliquer sur le petit cartouche qui se trouve en haut à droite pour que mon téléphone active ce point d'accès Wi-Fi, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, je vais bien trouver ce réseau. Vous avez une autre solution pour l'activer. Alors, je vais le désactiver d'ici. C'est en descendant votre zone de notification et vous trouvez dans les icônes point d'accès. Donc moi, je clique sur point d'accès et là, c'est pareil, ça fait le partage de connexion. Si je reviens sur cet écran, vous voyez bien que le petit cartouche est en bleu. Je vais donc passer maintenant sur mon ordinateur pour vous montrer comment de l'ordinateur, ou bien ça fonctionne aussi d'une tablette, comment vous connecter à ce réseau Wi-Fi qui vient d'être créé. Je suis donc sur mon ordinateur. Et je souhaite me connecter sur le réseau Wi-Fi qui est diffusé par mon téléphone portable. Pour cela, c'est une connexion Wi-Fi traditionnelle. C'est-à-dire que je vais aller sur ma petite icône du Wi-Fi qui se trouve en bas à droite de mon écran. Alors, je suis déjà connectée sur ma box de la maison. Donc, c'est ce petit symbole. Si vous n'étiez pas connecté sur un réseau Wi-Fi, donc je me déconnecte pour que vous ayez l'autre icône. Donc, si vous n'étiez pas connecté sur un réseau Wi-Fi, vous auriez cette petite planète avec un rond barré. Donc, si je clique sur ce symbole, dans la liste, je retrouve bien téléphone NAT, donc le nom que j'ai attribué à mon téléphone. Je clique dessus. Se connecter automatiquement est coché. Ça signifie que dès que mon téléphone aura le réseau d'activer, mon ordinateur le trouvera. Donc, je peux cliquer sur « Se connecter ». Entrer la clé de sécurité, donc AZERTY 123. Je peux vérifier avec le petit œil au bout de la ligne. Donc, je ne me suis pas trompée et je peux faire « Suivant ».
Voulez-vous autoriser les autres PC et appareils de ce réseau à détecter votre PC? Donc, si vous avez plein d'ordinateurs, vous pouvez faire les réseaux. Alors, moi, je dis non, parce que si vous êtes connecté sur un réseau public, ça veut dire que tout le monde pourrait voir que vous êtes identifié. La connexion se fait et maintenant, j'ai Internet sur mon ordinateur via mon téléphone. Quand vous en avez terminé, il faut bien penser à désactiver le partage de connexion parce que ça consomme beaucoup de données mobiles. Et si votre ordinateur fait une mise à jour, par exemple, c'est quelque chose qui va être déduit de votre enveloppe Internet. Donc ça peut aller très vite. Si vous avez une enveloppe pas très fournie, vous pouvez vite vous retrouver avec des hors forfaits de consommation Internet qui vont vraiment faire flamber votre facture. Donc repassons maintenant sur le téléphone pour voir la suite. Donc je suis de retour sur mon téléphone. Je vais pouvoir maintenant désactiver mon partage de connexion étant donné que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Donc pour cela, soit vous passez par les paramètres, point d'accès Wi-Fi mobile, et je vais cliquer sur le petit cercle bleu pour pouvoir désactiver. Ou bien, si je fais descendre la zone de notification, je vais recliquer sur le bouton « Point d'accès ». Dès que je réactiverai ce point d'accès, l'ordinateur pourra se connecter directement dessus parce que j'ai coché la connexion automatique. Ça va être la même chose avec votre tablette. Pensez bien à désactiver ce point d'accès Wi-Fi mobile quand vous n'en avez plus besoin parce que ça consomme beaucoup de données, comme je vous l'ai expliqué, et ça consomme aussi pas mal de batterie sur vos appareils. Nous en avons terminé pour le partage de connexion de votre téléphone portable vers vos ordinateurs et ou tablettes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un jeu pour smartphone ou tablette. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.